Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, je vous présente une carte de vœux en forme de petite mosquée. Trop facile à faire avec des petits strass. Donc, si le tuto vous plaît, restez avec moi, le tuto va commencer. Donc, il s'ouvre de cette façon. Et j'ai écrit Ramadan Mubarak. Donc pour refaire cette petite mosquée, on a besoin d'une petite feuille cartonnée en forme de rectangle. On a 21 cm dans la longueur et 14 cm dans la largeur. Je vais faire une petite marque pour trouver la moitié et je vais rabattre mes côtés sur la marque. Ensuite, je vais prendre une feuille origami colorée et je vais faire un petit carton. Vous avez vu les mesures qui passent à l'écran. Et on va donc dessiner une porte sur ce petit carton. Donc moi, c'est un carton que j'ai pris dans un paquet à pizza. Donc je commence à positionner mon petit carton sur ma feuille. Et ensuite, je fais la forme. Je remonte jusqu'au milieu de mon papier. Donc, je fais la même chose ici. Je pose le carton et je fais la forme. Et là, je vais prolonger jusqu'en haut. Ensuite, je vais découper cette forme. Donc, le petit carton, il va prendre la forme de la déco de la porte intérieure. C'est pour ça qu'il est légèrement plus petit. Donc on découpe. Ensuite, là, je vais, pour pas gaspiller mon papier, je prends seulement la largeur qu'il me faut. C'est pour ça que j'ai disposé de cette façon. Donc voilà, on a besoin d'une largeur qui va être à l'intérieur. Donc j'enlève le petit rectangle qui dépasse. Donc je vais plier en deux ma feuille d'origami colorée. Et je vais disposer ma petite porte que j'ai préalablement préparée. Je prends la forme de la porte et je fais le contour. Voilà, j'ai. Et ensuite, on va les disposer. Donc là, j'avais remarqué qu'il s'était pas vraiment bien, ça rentrait pas correctement, donc j'ai ajusté le découpage. Voilà. Ensuite, je vais coller. Je vais coller, donc le papier, il vient au centre de ma porte pour faire un effet contraste. Vous faites comme vous voulez, vous décorez comme vous voulez, mais c'est une idée. Ensuite, j'ai un papier cartonné brillant qui va me faire la porte, pour fermer ma porte. Donc, je colle une partie. Et pour fortifier le fermoir, je prends un papier cartonné sur lequel je mets un papier coloré de la même couleur que la porte. Et voilà. Donc j'attends que ça sèche correctement. Et ensuite, je vais commencer à décorer mon intérieur. Donc là, je vais écrire Ramadan Mubarak. Vous trouverez sur ma chaîne plusieurs tutos sur le même thème. Vous allez sur ma chaîne YouTube La Pose Origami et vous allez trouver une playlist qui regroupe plusieurs vidéos. Et là, donc, je commence à mettre mes petits strass. Vous décorez comme vous voulez. Si vous avez des paillettes, si vous avez des petits autocollants, vous pouvez faire un petit dessin. Et voilà, le tuto est terminé. Si le tuto vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Ça, je réponds toujours aux commentaires. Et je vous dis Ramadan Mubarak. Salam alaikum.